C'est parti, mon kiki. Les archers, comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire. Vous allez là. Et en plus, ça m'a l'air d'être un château très facile à prendre. Pour les archers, du moins. Ils sont tous à couvert, c'est con. Allez, poussez-moi cette putain de tour. Voilà, on va tirer au centre comme ça. Ils vont tous se ramener au centre. Dès qu'il n'y aura plus personne au centre qui tireront, eh ben, je viserai ailleurs. Ça crée pas beaucoup, hein, franchement. Ah, voilà, je me disais aussi, voilà. Ah là, ça commence un peu à pleurer. Allez. C'est vraiment qu'un gros temps que cette tour de siège, quoi. Il faudrait au moins être une dizaine pour pousser ça en vrai, mais... Mais bon. Hop. Bon, j'ai raté un coup. Voilà, enfin un Rodok avec un pavois pour se protéger. Voilà, ça c'est intelligent, voilà. Raté, mais c'est pas possible ça. Oh, mais ça part trop à droite à chaque fois. Voilà, je me disais aussi. Par contre, je vais prendre cher, je vais prendre cher. J'ai cru avoir des carreaux près de moi. Voilà. C'est parti un peu trop haut. Ah, c'est parti juste dans son oreille, quoi. Voilà. Ah, il se met à couvert. Ce coup. Il se met à couvert. Ça me donne quoi là? 19, on a plus de pertes que eux. Mais bon, vu que notre armée. Notre roi, au moins 450 de soldats, ça devrait le faire. Eh, mais c'est chiant l'arbre là, qui part trop haut. Oh, headshot sans le faire exprès, c'est pas lui que je visais. Ah, j'ai crevé là. Y'en a un qui m'en aggro. Bon, ok, c'est parti dans le mur. Et tout le monde commence à monter. Donc les archers, vous restez ici, s'il vous plaît. Faites pas les cons. Yes, pas mal. Pas mal du tout, ça. Il doit être mort maintenant. Ouais, ça va. Dommage vraiment que mon arba n'a pas une bonne précision. Parce que sinon, ça serait épique. Quelques petits bugs sont, mais bon, ça arrive dans le siège. Bon, ça monte. Alors ici, les archers sont regroupés. Là, vous pouvez peut-être serrer un peu les rangs. F4. Hop, hop. Bon, j'avais de l'espérance. Là-bas, il y a moyen. Bon, là, je peux pas les aider, donc ça va être mort pour là. Ah, ici, je peux les avoir quand même. Ah, je suis mort. J'aurais dû faire attention à mon côté gauche. On va quitter le combat et on va faire le... Vous avez aggravé votre blessure affectant votre agilité. Bon, c'est pas bien grave. Non, on va pas rejoindre le prochain assaut. On le laisse continuer comme ça. C'est pas la peine de se forcer. Je suis blessé. Hein. Et voilà, nous avons pris le château de Kel'redan. Donc, je suis très mal en point. Du coup. 24 jours de blessures supplémentaires. Je crois que ça lui donnait une semaine ou deux en plus. Une semaine, je dirais. Donc voilà. Donc Kel'redan, moyennement protégé, du coup. Ça va, et on range très très bien le royaume de Swadian. Franchement, c'est très très bien. Si on peut consolider notre position, puis prendre tous les châteaux de cette zone-là, ça serait parfait, honnêtement. On serait parfait pour le centre du territoire, quoique. Le centre de Kel'radia, c'est pas ce qu'il y a de mieux à défendre. Vu que c'est susceptible d'être attaqué par tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Voilà, regagne les rangs, toi, tais-toi. Donc,
En train d'être pillé, bah on va défendre. Allez les gars, faites pas vos pleutres. Petit combat. Allez. Un combat ici, on va se le faire. Hop. On y va, 139 pour 61. Je suis fortement blessé, donc on va pas trop forcer. On va surtout regarder la bataille en vrai. Et il y a du people là-bas, ils sont cavaliers, pas mal de cavaliers. Alors. C'est mes soldats qui foncent comme ça dans le tas. Oui, c'est mes soldats, donc reculez. Reculez, on va rejoindre ce côté-ci, le côté gauche. J'ai combien de soldats? 17 pour ma part. On va pas trop faire les fous. Et ils ont l'air de rester, de vouloir rester en stand-by. Et c'est des vikings, mais ils ont des cavaliers là, les nordiques. Ouais, quand même, Native Expansion modifie quand même beaucoup trop, je trouve, les caras des nordiques là. Ils ont des cavaliers gros bourrins. Donc, ça me paraît un peu chelou tout ça, cette histoire. Est-ce qu'ils avancent beaucoup ou pas? Ils sont par là. Bon, ça va être une guerre de position pendant 5 minutes encore. Puis comme ils ont pas voulu, ils ont pas l'air de vouloir avancer. On leur très très lentement, ben on n'avance pas. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'infanterie. Donc on devrait pouvoir les rouler dessus sans aucun problème. L'infanterie swadienne, elle est très moyenne. Allez. En plus, il y a un beau soleil. Un coucher de soleil, peut-être. Ouais, ça doit être un coucher de soleil. Magnifique. Une belle journée pour mourir. On part par là. On pourrait les prendre à revers. Mais vu qu'on n'est pas beaucoup, surtout pas beaucoup de cavaliers, ben, je doute de l'utilité. Mais enfin, dès que ça charge de côté là-bas, ben, on chargera, écoutez. Oh, monsieur, on me suit quand même. Voilà, on les prend en revers comme ça. Ils sont au gnouf. Et ça devrait attaquer d'ici quelques instants. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, parfait. Donc là, c'était un nordique, donc le coup ne s'est pas fait. Avec ces nouveaux designs de soldats, ces armures un peu hétéroclites, j'ai du mal à m'y retrouver, à faire bien de bonnes différences. Regardez, là, c'était un nordique, je pensais que c'était un swadian. Wow. Lui, c'est un lancier monté de Kargis, je sais pas ce qu'il fout là. Quel de Swadjan, bah, il est mort. Hein. Et donc normalement c'est nickel. Qu'est-ce qu'il reste encore? Lui, il a une bonne gueule de Swadjan. Toi, peut-être, oui. Oui. Ça, il faut que je regarde les blasons des mecs. Voilà, finis-le. Bon, je l'ai fini. Hey, tu me visais toi? Excuse-moi, je crois que t'étais une crotte. Bon, on y va. Il y en a un qui s'enfuit apparemment. J'y crois pas trop. Non, faut pas trop rêver non plus. Déjà que de base, quand je cours pas, bah. Ça marche pas très bien. Alors il s'enfuit pas. Il a un peu de mal. Lui c'est qui? Aïe, mais il peut pas s'enfuir normalement, peut-être. C'est le mode qui doit faire ça, à mon avis. Quoique, il s'enfuit pas. Non, il s'enfuit pas. Voilà, c'est fait. Littéralement coupé en deux avec le cheval. Allez. Ça, c'est bien. Très beau combat en perspective. Et on recrute tout le monde. Hop. Voilà. Faudrait que je pense avant de m'en faire un jour. Alors. Et puis lui, hein. Plus que ça.
Ouais, on attend qu'ils puissent me rejoindre peut-être, ou alors je prends les devants s'ils sont pas assez rapides. Ouais, ils me rejoignent tous dans la bataille, donc c'est parfait. Je t'offre une l'occasion de parler et tu refuses. Bon ben, crève. Crève, 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 mec, crève. Y'a pas de raison. Alors, une immense armée de Nordiques prête à défourailler n'importe qui. Ils foncent dans le tas. Choula. Il y a aussi une belle armée là-bas. Ça peut être épique. C'est marrant, la précision quand je suis à cheval est meilleure que quand je suis à terre, j'ai l'impression. On va tester. Ah non. Bah tiens, c'est curieux tout ça. Je vais augmenter ma précision. La précision de mon arbalète a augmenté. Sans que je le sache. Étrange tout ça. D'habitude, la précision d'une arbalète augmente proportionnellement à votre compétence d'arme, de maîtrise de l'arbalète. Mais là, apparemment, on dirait que quand je dépasse un certain stade, eh bien, ça ne fait l'effet seulement que maintenant. Merde, j'ai tiré son allié. Non, c'est qui toi? Toi, t'as un blason que j'aime pas trop. Voilà. Blason bleu blanc là, je sais pas quoi. C'est je crois que c'est le lion sur fond bleu et blanc. Ah, toi t'es qui? Ah, il m'a bien pris par derrière lui. Ah, pris par derrière. Non, il s'est bien retourné en fait. Bon ben. Ouais, on se replie. Oh. Voilà, c'est bien. Hop. Et il faudrait que je pense peut-être à me reposer un peu durant quelques jours. Parce que mon perso il prend très très cher mine de rien. Et les blessures lui font très très mal. Ouais, 23 jours, 3 semaines de convalescence. Alors, j'ai moins 2% de vie. Alors, voilà. Moins 1, donc ça compte quand même, hein, c'est pas pété. Dirim au Jarl Harald. Pourquoi pas, je ne sais pas ce qu'il a fait de plus que les autres. Donc il a désigné le fief de Dirim. Donc il restera plus que les petits villages. Par contre les villages, j'ai une chance peut-être d'en avoir. Bah non, je suis pas seigneur, donc ça risque pas. Ça risque pas. Ouais, voilà. C'est très très bien tout ça. Alors, 104 de renommée. Donc je suis très très loin encore de pouvoir être seigneur. Il me faudrait au moins 200, je crois, si mes souvenirs sont bons. Enfin, 100 est le minimum, mais 200 c'est pour être une sécurité, pour être sûr en fait. Donc voilà. Donc tout ça c'est très très bien. On va tenter un pillage à Dastamech. Tazamech, voilà. Trop chiant à prononcer ce truc là. En même temps, ça nous fait reposer un peu. Il y a quelqu'un aux alentours. Non, c'est parfait. On va tenter comme ça, hop, mettre le village à sac. Ah, ils se défendent quand même, laisser le village en paix du coup. Parce que j'ai combien de mecs en vie? 18, donc c'est normal qu'ils doivent se défendre. Donc on va se reposer, un peu. Voilà, on va rester ici jusqu'à nouvel ordre. Et on va faire le village, le pillage automatique dès qu'on aura... assez de soldats, donc au moins 25 en vie, enfin en état de combattre. Donc là c'est parfait, 25. Ah non, il faut au moins 26 en fait. Bon, au moins 26. Voilà, c'est bon. Ah, ils volent encore. Ah bon, c'est étonnant. Dans la native, c'est pas comme ça. Dès que vous êtes au moins 25 soldats, normalement ils doivent se rendre. Oh, lui, il veut piller ce village à ma place. Je suis pas d'accord. Tant pis. Bah, massacre. Mais je peux crever aussi, hein. vu mes points de vie, je prends un ou deux coups.
Alors tout le monde, il descendait de canasson, j'aime pas ça, vous savez bien. Voilà. J'ai pas beaucoup de mecs avec moi. Faut pas trop leur demander. Hein. Voilà, c'est pas mal ça, les armes, ils font leur taf. Voilà, comme ça. On va rester ici et les attendre pour l'instant s'ils viennent au compte-gouttes. Entraînement de tir aujourd'hui. Prenez vos armes et feu à volonté. Ouais. On va voir un petit peu mieux comme ça. Ils prennent cher, je pense. Hein. Je pense qu'ils sont pas contents. Oh, headshot. Bon, moi, je m'entraîne en arba. Et je suis content parce que mon arbalète se recharge beaucoup plus rapidement et beaucoup plus précise. C'est bien, il m'entraîne bien, là. C'est de la main-d'œuvre gratuite. Allez, chargez tout le monde. On a plus beaucoup à faire. Oh, mais comment j'ai pu rater ça? Voilà. Bon bah c'est bon, du coup j'ai pas de perte. Pour une fois, en pillage. Hein, voilà. Et encore. Il a moi. Voilà. On a encore un. Il a moi, je vous dis. Restez là. Reculez. Ah, mais ils viennent tous au compte-gouttes en fait, c'est ça. Hein. Ils ont dit bon, bah les mecs, on y va comme ça parce qu'on est des pleutres. Chacun son tour, à la courte paille. Bon, bah chargez hein, s'il reste encore, hein. Comme ça je pourrais voir où ils sont. Derrière là, j'imagine. Un seul, deux, trois. Oh, un beau tas quand même. I've been hit. Chargé. Oh là 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 là, ok, j'ai compris. Bug de maison. Attendez, suivez-moi les gens. Voilà, comme ça vous pouvez. Voilà. Parce que vous êtes pas assez intelligent pour faire le tour. Tiens, bout portant. Je suis un fou, je suis un dingue, je suis un cochon d'Inde. Yes. Yeah. Oh, il a fait une chambre avec son outil, quoi. Ah, t'es pas un paysan. Putain. J'aurais bien aimé te tuer. Non, oh, mais Nizar et Bazur qui crèvent, quoi. Attendez. Mettre le village à sac, s'il vous plaît. Je ne vais plus voir un seul. Quête annulée, si qu'il y a des bétails. On s'en fout. Nordique avec moi, c'est tant mieux. Et on va piller un max pour récupérer un maximum de sous-sous. J'espère qu'il n'y aura pas de Soldian. Apparemment non. Alors, on retire ça, c'est de la merde, on retire ça, c'est de la merde. Je garde mon fer pour l'instant, je prends tout le fer, ici, je prends tout ça, le beurre, tout ce que tu veux. Tout ce que je peux porter, je le prends. Et je peux plus porter plus que ça. Parce que j'ai les olives et tout, donc ouais, c'est bien. Et les bétails, bon tant pis, ils vont crever ici. Alors... Soit déjà ici, 4,7, 4,8. Je devrais en théorie ne pas crever. J'ai dit en théorie. Ouf! Tant mieux. Allez, on va dormir ici. On va dormir ici pour l'instant. Et on va aller rejoindre un endroit un peu plus calme. On va aller en territoire allié. Sargoth. Et Dirim a été repris. Bon. Dirim a été repris. C'est normal vu qu'il n'y avait pas de défense. Mais bon, ça leur a bien fléché quand même, hein, cette histoire. Allez, on va à Sargoth. On va en même temps recruter peut-être des Nordiques. Hop, on recrute. Je crois que j'ai aussi des soldats qui sont augmentés de niveau, donc on va les évoluer. C'est un peu le bordel tout ça, mon armée, mais bon... Quand les Rodogs vont tous crever après, je pourrais faire une armée cohérente de Nordiques. Donc, mon Nizar, t'es médecin pour le groupe. On va faire un peu des deux.
Et tu vas augmenter ça. Bon. En attendant, et moi j'ai augmenté de niveau aussi. Donc voilà, on augmente le charisme. Et puis, encore une nouvelle fois le charisme. Et donc là, on va augmenter le maître d'armes. Et toujours, attention. L'arc. On va augmenter l'arc à chaque fois. Donc. Hop, Fenador, on y va, recruter. Commercier, j'ai des trucs sympas, non, rien d'intéressant. Allez, on va tout vendre là-bas. Zut. On vend le fer. C'est ça qui est bon. Les outils. Ça, c'est bien. Donc, c'est nickel. Je sais pas si je pourrais avoir assez pour le tout rembourser. Sûrement, si, si, si. Je devrais avoir assez pour tout rembourser au mec qui m'a demandé tout ça. J'ai quand même gardé les biscuits. Biscuits. Hop. Voilà. Et donc c'était lui. Hop. Voilà. Voilà. Bon du coup il me laisse une petite somme. C'est parfait, tout le monde s'y retrouve. Voilà. Donc c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on a encore comme quête à faire? On a la quête de la dame. Et c'est tout. Donc ça c'est pas important, je m'entends pas pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici? Pour l'instant non. Enfin, il y a ça à défendre j'imagine. Et les Rodogs qui ont repris leur territoire. C'est assez serré tout ça quand même. Hein. Il n'y a pas de faction qui prenne vraiment. Qui prend vraiment l'ascendant sur l'autre. Ça ne marche pas comme ça apparemment. Alors. Ah, je m'en fous ça, j'ai pas envie de faire le coursier. Bon ben. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon on va. Je pense qu'on va s'arrêter là du coup. Je sais pas combien de temps j'ai tourné de vidéos. J'imagine de quoi faire deux vidéos pour vous. Et bah voilà, donc on va reprendre l'aventure une prochaine fois. En espérant peut-être avoir un peu plus d'occasion d'avoir des conquêtes plus rentables. Donc on va quand même aller voir la taverne pour faire nos rançons. Voilà. Si j'appuie sur la bonne touche, voilà, ça marchait quand même mieux. Et comme ça on va pouvoir se dire ben, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Rançonneur, c'est parfait. Donc ciao, salut à tous!